Bonjour, c'est Joseph. Vous avez lu où nous sommes? Nous sommes dans le parc Sacha Guitry, dans la commune de Cap-d'Aille. Alors maintenant, nous allons y aller. Nous rentrons dans le parc de Sacha Guitry qui va nous mener à sa maison, le Funambule. C'est agréable, il y a une quiétude à cet endroit. Alors voyez, sur la gauche, il y a cette allée avec les pins. Et nous allons prendre celle-ci, un petit peu plus ombragée. Et nous allons descendre dans sa maison. Il y a des bancs ici pour lire, méditer, se reposer. Regardez comme c'est adorable. Regardez cet endroit ombragé là. Une petite fontaine. Continuons à descendre. C'est sensationnel d'être à l'endroit où un homme d'écriture comme Sacha Guitry a vécu. Je suis sensible. Il a aimé cet endroit et nous y sommes. J'essaie de vous le faire partager, cette émotion. Continuons à descendre. Petits escaliers. Une vue est exceptionnelle à cet endroit. Aujourd'hui, nous sommes fin octobre et il fait une journée radieuse. Nous avons beaucoup de chance, beaucoup de lumière. Quand je me suis aperçu de la matinée qu'on allait avoir, j'ai pris tout de suite la caméra et je me suis dit, c'est le jour de Sacha Guitry. Encore quelques dizaines de mètres. En général, je monte dans les parcours et dans les présentations, je suis statique. Mais pour Sacha Guitry, je descends et je me déplace. L'allée est dallée de pierre. Là, nous rejoignons le passage de la Finède, où se trouve la gare de Cap-d'Aille. C'est la fin du parc. Et on va fermer correctement. Et la maison est là. Nous allons faire tout le tour et aller la chercher sur son meilleur profil. Regardez quel endroit sublime. Nous avons fait ce parcours, le parcours de Cap-d'Aille déjà ensemble. Et je vous avais monté brièvement la maison de Sacha Guitry. Alors c'est lui qui l'a baptisé comme ça, le Funambule. À l'origine, le bâtisseur l'avait appelé Meia Joy. Hein. Merci. Regardez la petite crique ici. Il savait choisir son endroit. Pour l'écriture, je pense qu'il n'y a pas mieux. Regardez, là vous l'avez. La lumière est rasante, c'est le matin. Et vous l'avez. Il était là. La bâtisse a été érigée en 1904. Voilà, nous sommes à ses pieds. Je vais essayer d'aller un petit peu sur la roche pour avoir plus d'angle. Fais attention parce que c'est la roche volcanique qui a saisi les pierres. C'est un petit peu spécial comme endroit. Voilà. Et nous l'avons au milieu de la Finède. Je vais aller à un autre endroit encore. J'en vois une autre possibilité avec un autre angle. Je vais vous montrer de l'autre côté.
côté ouest, ce que ça donne. Voilà, là il y a un petit commentaire, je vais vous le lire. Villa les funambules, comme je vous disais, villa de l'acteur-auteur Sacha Guitry. Sacha venant écrire ici ses pièces de théâtre. Et nous sommes à ses pieds, regardez. Vous avez vu les balustrades blanches? Nous allons aller sur cette petite île. C'est des variantes du parcours de la dernière fois que nous avons fait ensemble. Soyez très prudents, hein, si vous venez ici, que la mer est démontée, faites très attention. Vous voyez, c'était taillé dans la pierre, le pont a été construit pour rejoindre l'île. Là, nous sommes sur la toute petite île et nous avons le point de vue sur la maison de Sacha Guitry, merveilleuse. Voilà, la Mia Joy est devenue les funambules. C'est lui qui l'a baptisé ainsi. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse tous et toutes très très fort. Au revoir.